Non. Bonsoir, Binti, quel plaisir, quel plaisir. Qui dit la Binti, la basalik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, mademoiselle, dis-moi, est-ce que l'inscription d'elle que je fais la biologie? Vous me confirmez? إذن مساء الخير، كما العادة يعني لقاء غير مبرمج. إذن فهي خطوة سنقوم إن شاء الله بالإعداد أو السير عليها، نمشي بواحد شوية بشوية لنهيئ يعني الدخول المدرسي. إذن ارتأيت إن شاء الله من خلال هذا اللقاء أنني ندير واحد رحلة، واحد السفر خفيف في مادة الكيمياء بور لي بيوف بيان ايفيدامون. هاد لو شابيتر بطبيعة الحال راه غادي ينفع كذلك الطلبة اللي في المقبلين الدراسة في الجامعة، لأن غادي يكونوا لي نوسيون دو باز اللي غادي يخدموا عليهم بطبيعة الحال سورتو في لابارتي دو لا شيمي. إذن سعيد بتعليقات بالنسبة لي لطلبة لأحبة اللي شاركنا في، لا أقول الموسم الصارم، ولكن من خلال إعدادات لامتحانات البكالوريا. فيعني سعادة كبيرة جدا، ومبروك دائما النجاح. نتمنى أن إن شاء الله المسيرة تكون موفقة، وأنا كذلك رهن الإشارة. وإن شاء الله بالإضافة إلى يعني البرنامج ديال البكالوريا في هذه السنة، إن شاء الله غادي نساهم بفيديوهات بالنسبة للتعليم العالي، خاصة في المسلك البيولوجيا، لا بيولوجي سيلولير. إذن هناك إن شاء الله دي فيديو اللي غادي نوضعهم قريبا، اللي وجدتهم في مواد لا بيولوجي سيلولير، الهيستولوجي، في الاناتومي، وكذلك بالنسبة لكلية الطب السنة الأولى. إذن إن شاء الله ستكون سنة حافلة، فالإنسان دائما يكون على وهبة الاستعداد. Alors, qui m'a dit ce soir, je vais un petit peu, comment dirais-je, faire un petit voyage. Nous allons voyager ensemble. Les personnes qui vont m'accompagner, ceux qui vont se joindre par la suite, le live va devenir comme une feuille de route, kharita tariq. Lana ghadi nhaoul ma amkan ntkellem ala l'achia el mouhima jiddan, surtout بالنسبة للعلاقات.
فلا شيمي عندها امتدادات في التعليم العالي، ولا حتى ما يكونوا لي نوسيون دو باز يكونوا مهضومين مزيان مزيان مزيان. وخاصة دابا يعني أن الدراسة غادي تكون باللغة الفرنسية بالنسبة للمواد، إذا كنطلب منكم أن يكون شوية ديال الجهد، وحاولوا ما أمكن دائما وتنقولها وتنأمن بها أن تبريباريو لي موديول ديالكم، لي زيبروف، لي زيكزامان باللغة اللي غادي تدوزوا بطبيعة الحال. إذا كنتوجه كذلك بالنسبة للطلبة اللي طلعوا للسلك الأولى من السلك الثاني، يعني السنة الختامية، خاصة طلبة أولى بكالوريا، فهذه السنة إن شاء الله غادي نخصص وقت وفير جدا بالنسبة للمسلك البيوف، وغادي نركز أكثر فأكثر على لي مادة لي اس في تي اللي بغيت نحاول ما أمكن ندير فيها بزاف ديال الحوايج، وخاصة بالنسبة للطلبة اللي غادي يكونوا مقبلين على اجتياز امتحانات كلا ميديسين ولا كليات أو مدارس أخرى. Alors ce soir, nous allons, comme je vous ai dit, faire un petit voyage dans la chimie. Bien sûr, la première question qu'on doit se poser est la suivante. Pour tout étudiant, qu'est-ce que c'est que la chimie? C'est quoi la chimie? Bien sûr, la chimie, c'est une science. C'est une science aussi de la nature, comme la physique. Mais c'est une science de la nature expérimentale qui étudie la composition de la matière et de ses transformations. Alors, en ce qui nous concerne, nous allons bien évidemment parler d'une réaction chimique. Alors, je vais tout simplement vous présenter le modèle d'une réaction chimique. Alors, une réaction chimique, on peut la modéliser par l'écriture suivante. Alors, tout d'abord, tout étudiant doit au moins savoir de quoi est composée une réaction chimique. Alors, tout d'abord, le A et le B, on les appelle des réactifs. Mutafa'ilat. Le C et le D sont appelés des produits. Nawatij. Et donc, on peut tout simplement déduire qu'au cours d'une réaction chimique, il y a des transformations qui vont avoir lieu. Ces transformations vont avoir lieu entre les réactifs qui sont représentés ici par A et B. Oh là là, bonsoir Suleyman, ça fait plaisir. Alors, comme je vous ai dit, le chapitre, il faut vraiment, Inch'Allah, la branche. Alors, dis-moi, Monsieur Suleyman, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'avez-vous fait après le bac, Monsieur Suleyman? Alors, je continue. Donc, au cours d'une réaction chimique, comme je vous ai dit, il est impérativement déjà de connaître qu'une réaction chimique est faite à partir de la réaction des espèces chimiques. Donc le A et le B sont des espèces chimiques appelées des réactifs. Le C et le D, c'est le résultat de la transformation qui a eu lieu entre le A et le B. Donc ce sont des produits. Notez que les réactifs A et B réagissent bien évidemment avec certains coefficients que j'ai représentés ici en rouge, alpha, bêta, gamma et delta. Alors,
c'est coefficient alpha, bêta, gamma et delta, ils sont appelés des coefficients stéchiométriques. Coefficients stéchiométriques. Donc, ce qui, je peux déduire tout simplement qu'au cours d'une réaction, les transformations se fassent vraiment dans des proportions. Alors voilà, donc ça tombe bien. Donc pour la biologie, comme je vous ai dit, Inch'Allah, a des vidéos. J'ai déjà commencé. Fardali la biologie cellulaire, l'histologie, l'anatomie. L'embryologie. D'accord, c'est pas un problème. Donc là, vous pouvez. Alors, donc voilà de quoi est constituée une réaction chimique. Alors, on peut ajouter que dans une réaction chimique, on peut symboliser les sens de la réaction. Le sens 1, de gauche à droite, est appelé le sens direct, qui correspond bien évidemment au début de la réaction en général. Et le sens 2 correspond au sens indirect. Et là, on va parler de type de transformation chimique. On peut en distinguer deux, des transformations rapides et des transformations lentes. Alors, je crois que au cours d'une réaction chimique, il est impératif de savoir établir le tableau d'avancement d'une réaction chimique. Alors notez que nous partons à l'instant T est égal à 0, au démarrage de la réaction. Alors c'est très important pour les élèves du terminal de savoir établir le tableau d'avancement. Alors, comme je vous ai dit, je pars de l'instant est égal à 0. Oui, tout à fait. Donc, Inch'Allah, le module de la biologie cellulaire, donc, on a X. Alors, X appelé avancement, qui est égal à 0. Alors nous partons d'une quantité de matière du réactif A et d'une quantité de matière de réactif B. Donc ce qui fait avant le démarrage de la réaction, j'ai ici 0 produit. Alors par la suite, je vais faire un suivi de la réaction. Donc, à un instant T, j'ai un avancement X tel que Na moins alpha X, NB moins bêta X et en forme gamma X et delta X. La réaction se poursuit jusqu'à un certain temps que je qualifie de temps final. Là, j'ai X final, un avancement final, et j'aurai ici Na moins alpha X final, NB moins bêta X final,
gamma x final et delta x final. Alors, le tableau d'avancement de la réaction, c'est pratiquement l'essentiel de l'étude d'une telle ou telle réaction. Alors, pour cette année du terminal, les réactions que vous allez étudier jusqu'à maintenant, c'est les réactions d'oxydoréduction, donc les réactions d'oxydoréduction que nous allons voir. Par la suite, des réactions acido-basique. Et bien évidemment, des réactions qui sont des réactions chimiques dans les piles. Donc, je vais tout simplement appeler le chapitre les piles. Normalement, c'est de l'énergie chimique qui va se transformer en énergie électrique, bien évidemment. Alors, je ne sais pas cette année encore une fois comment les choses vont se dérouler, parce qu'il y a toujours un chapitre pour la deuxième année qui n'a pas fait l'objet d'examen de fin d'année, c'est les réactions d'estérification. Estérification. Donc, déjà, vous êtes vraiment censé baser déjà sur les trois premiers grands types de réactions, à savoir les réactions d'oxydoréduction, les réactions acido-basiques et les piles. Et les réactions d'estérification, nous verrons bien sûr au cours de l'année comment les choses vont se présenter et se terminer. Alors, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, une fois on a établi le tableau d'avancement, c'est de déterminer le réactif limitant. Alors, le réactif limitant. Alors, comment déterminer le réactif limitant? Alors pour moi, les deux réactifs en jeu dans la réaction, c'est le A et le B. Alors dans un premier temps, je vais tout simplement supposer, je suppose que A est un réactif limitant. Donc il faut supposer que A est un réactif limitant et je vais prendre cette équation Na moins alpha x final est égal à 0. Et je vais déterminer x final. Je trouve Na sur alpha. De la même manière, je vais procéder pour le réactif B. Je suppose que B est un réactif limitant aussi. Et je vais tout simplement refaire la même chose. NB moins bêta x final est égal à 0. On va trouver x final égal NB sur bêta. Alors j'ai trouvé deux valeurs pour x final, en supposant d'une part que le réactif A est un réactif limitant, et d'autre part, j'ai supposé que le réactif B est un réactif limitant. Alors, par la suite, je vais comparer les deux x final. Je vais les comparer tous les deux. Après calcul, bien évidemment,
noter que x, son unité, c'est la mole. Donc c'est une quantité de matière. Bien évidemment, Na est exprimée elle aussi en mole. Pareil pour B, ce sont des quantités de matière. Alors, après comparaison des deux x finales obtenues, je vais faire tout simplement une petite analyse concernant les deux valeurs trouvées. Comment? Alors, si je trouve la valeur Na sur alpha est inférieure à NB sur bêta, ce résultat, alors, donc A, c'est le réactif limitant. Bien évidemment, dans le cas contraire, si NB sur bêta est inférieur à NA sur alpha, alors on peut dire que c'est bêta, plutôt le réactif B, qui est le réactif limitant. C'est très important. Alors, de ce résultat, on peut déterminer tout simplement dans ce cas-là que X final est égal à x max, l'avancement maximal. C'est vraiment à retenir. Alors, supposons si Na sur alpha est égal à NB sur bêta. C'est-à-dire, j'ai trouvé que les deux quantités sont égales. Dans ce cas-là, on peut dire que A et B sont tous les deux limitants. Les deux réactifs disparaissent tous les deux. Donc voilà vraiment des acquis de base à connaître impérativement. Élève du terminal, quand vous aurez la possibilité de traiter des questions en chimie, il faut savoir que l'établissement du tableau d'avancement est capital, même si on ne le demande pas. Donc vous êtes obligé toujours d'utiliser, de se servir de l'établissement de ce tableau d'avancement. Alors maintenant, voilà en ce qui concerne le tableau d'avancement. Maintenant, je vais faire quelques petits rappels concernant le calcul de la quantité de matière. Donc, je vais seulement me contenter de l'état initial, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0. Et parfois, je suis obligé de déterminer la quantité de matière des réactifs. Alors, ce sont des relations pratiquement depuis le tronc commun que vous avez déjà vu. Alors, par exemple, considérons que le réactif A, l'état solide. Donc, je le note à l'état solide. Alors, pour calculer la quantité de matière de Na, comme vous le savez, c'est la masse sur la masse molaire de A. Alors parfois, on vous donne la masse volumique de A. La masse volumique de A est égale à la masse sur le volume. Si on vous donne alors,
Alors donc parfois on vous donne la masse volumique. Alors pour cette raison, tout simplement, il suffit de remplacer la masse par, donc ce qui implique tout simplement que la masse est égale rho multiplié par le volume. Et je peux trouver la quantité de matière de Na, c'est rho fois V sur la masse molaire. Donc, vraiment, c'est vraiment des formules à connaître pour déterminer la quantité de matière. Alors maintenant, je vais supposer que le réactif A est à l'état liquide. Comment je vais calculer la quantité de matière dans ce cas-là? Donc, on vous donne, par exemple, le réactif A, on vous donne sa concentration et le volume. Alors, pour déterminer la quantité de matière, je sais que la concentration molaire, c'est Na sur V. Ceci implique tout simplement que Na est égal à Ca fois V. Donc, vous savez que l'unité, c'est la mole par litre. Quantité de matière, c'est en mole. Donc, ce sont des unités dans le système international. Alors, dans ce cas-là, on peut, si on connaît la concentration molaire du réactif A, je peux bien sûr déduire la quantité de matière de ce réactif. Alors maintenant, je vais supposer que le réactif B est à l'état gazeux. Alors, pour B, l'état gaz. Alors, comment je vais calculer la quantité de matière NB? Alors, pour cette raison, j'ai deux relations. La première, c'est le volume de B sur le volume molaire. Alors, notez pour le volume molaire, il a deux expressions. Le volume molaire, il peut être égal à 22,4 mol litre moins 1, ou bien le volume molaire, il peut être égal à 24 litres mol moins 1. Les deux valeurs sont déterminées par les conditions expérimentales de l'expérience. Là, c'est pour 0 degré Celsius, 1 atmosphère. Et là, c'est sur 20 degrés Celsius, 1 atmosphère. En principe, ce sont des valeurs qui sont données avec les données de l'exercice. Alors, le plus souvent, on va considérer que le réactif B est considéré comme un gaz rare. Alors, dans ce cas-là, donc, considérons que B est un gaz, plutôt pas un gaz rare, mais un gaz parfait, plutôt un gaz parfait. Alors, pour cette raison, vous allez utiliser la fameuse relation des gaz parfaits, PV égale NR fois T. Alors, c'est quoi tout ça? C'est le produit de la pression volume égale NRT. Alors, vous êtes bien évidemment censé, c'est une relation que vous avez déjà connue l'année dernière. Donc, P, c'est la pression du gaz. Il est exprimé en pascal. V, c'est le volume du gaz. Il est exprimé, notez très, faites très attention, il est noté, il est exprimé en mètres cubes. N, c'est la quantité de matière de ce gaz, donc en mol. Bien sûr, R, c'est une constante, la constante des gaz parfaits. Constante des gaz parfaits.
En général, il a une valeur de 8,31 dans le système international. Le système international, c'est le joule mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors, la température, c'est en Kelvin. Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a une petite conversion. La température en Kelvin, c'est la température en degrés Celsius plus 273,15. Si vous voulez, bien évidemment, convertir la température en Kelvin. Faites très attention. En général, on peut vous donner la constante des gaz parfaits en joules. Mol moins 1, Kelvin moins 1. Alors le joule, c'est quoi? C'est tout simplement le pascal multiplié par le mètre cube. Je répète encore une fois, il faut que la pression soit exprimée en pascal et le volume en mètre cube. Alors parfois, dans les relations du calcul de la quantité de matière, on peut vous donner la densité. Par exemple, je vous donne la densité de réactif A. La densité, en général, c'est une densité pour les solides et les liquides. Comment dirais-je? C'est-à-dire l'élément de référence, c'est l'eau. Donc, c'est la masse volumique de A sur la masse volumique de l'eau. Alors, c'est une relation qu'on peut parfaitement utiliser. Alors, pour la densité de B, c'est 29 sur la masse molaire du gaz quand il s'agit d'un gaz. Alors, mes chers élèves, ce sont des relations vraiment de base. Si vous maîtrisez déjà la pratique de ces relations, sachez que le reste de l'année en chimie se passera très très bien. Surtout quand vous allez aborder le chapitre des acides et les bases, il y a beaucoup de calculs où on peut vous demander de calculer la quantité de matière, des concentrations. Et bien évidemment, autre formule que nous allons découvrir par la suite. Voilà. Ceci dit, on a su comment calculer les quantités de matière des réactifs proposés dans une réaction chimique. Alors maintenant, on va un petit peu parler de ces réactions chimiques. Alors, une réaction chimique. Une réaction chimique. Peut être. Rapide. Alors, en général, des réactions chimiques rapides, ce sont des réactions qui se déroulent pratiquement en moins d'une seconde. Et en général, la transformation chimique, on ne peut pas l'observer à l'œil nu, ou bien on ne peut pas la mesurer par des outils utilisés en chimie, que je vais bien évidemment vous évoquer dans un instant. Donc, cette année, en général, on va étudier quelques réactions chimiques rapides. Mais la plupart des réactions que nous allons voir, c'est des réactions chimiques qui vont avoir lieu dans les deux sens, c'est-à-dire le sens direct et le sens indirect, chose qui va nous permettre bien évidemment d'établir d'autres relations, exemple comme la constante d'équilibre que nous verrons spécialement dans le chapitre des acides et des bases. Alors, donc, la réaction chimique, on vient de voir, il peut être une réaction très rapide, comme les réactions de précipitation, ou bien des réactions qui ont lieu dans des réactions explosives. Donc, aussi, la réaction chimique, il peut être une réaction lente, c'est-à-dire quand la durée, pratiquement à partir de 2 secondes. 2 secondes, l'œil est capable de visualiser la différence qu'on peut avoir au cours d'une transformation chimique.
Mais cela n'empêche pas que des réactions chimiques peuvent être très longues, comme par exemple les réactions de la formation de la rue. Donc ça peut prendre des années et des années. Alors, ces réactions lentes, on peut les faire le suivi, c'est ça le mot qui nous concerne, nous, le suivi par des outils de mesure que je vais vous évoquer, comme je vous ai dit, dans un instant. Alors, comment maintenant on peut faire le suivi d'une réaction chimique? Donc, on peut utiliser deux méthodes. Alors, il y a une méthode, la première, appelée des méthodes chimiques. La méthode chimique. Alors, la méthode chimique, en général, qui consiste à faire des prélèvements de la quantité de matière des réactifs ou de la concentration. Et vraiment, ce sont des méthodes qui sont discontinues et ça nécessite vraiment des prélèvements. En général, ces réactions-là sont utilisées dans les TP, les travaux pratiques. Mais ce que je veux tout simplement vous montrer, c'est quand on a établi le tableau d'avancement, on a pratiquement fait le suivi de l'avancement de la réaction. Donc, comme je vous ai dit, dans cette méthode chimique, on fait des prélèvements. Donc, on peut faire tout un tableau à des instants différents. Donc, le temps, on a X et on note les résultats, tout simplement. Alors, quel est le but de ces méthodes chimiques à la fin? Donc, on fait parfois des variations. Voilà ce qui me concerne. On fait donc le suivi par exemple de X en fonction du temps, de l'avancement X en fonction du temps, de l'un des réactifs, ou plutôt, pardon, de l'un des produits. Comme on peut faire le suivi de N, la quantité de matière de l'un des réactifs. Mais notez bien évidemment que dans les deux cas, il s'agit d'une quantité de matière. Notez seulement pour X en général, c'est pour symboliser les produits. N, c'est pour symboliser tout simplement A ou bien et B. On peut bien évidemment faire le suivi tout en faisant le suivi de la concentration, soit l'un de réactifs ou l'un des produits, la concentration en fonction du temps. Alors c'est pour ça, en terminale, vous allez apprendre à manipuler des graphes. Alors, pour cette raison, je vais vous montrer dans les méthodes chimiques, par exemple, voilà. Alors, donc là, j'ai l'axe des temps. Alors, par exemple, nous allons faire le suivi à l'instant T. Alors là, vous avez l'instant T en AX. Donc là, il s'est formé combien? Gamma X, delta X. Faites très attention aux coefficients stéchiométriques. Alors, à l'instant T est égal à 0, j'avais rien en C,
La réaction n'a pas encore commencé. Donc, la réaction évolue avec le temps et un instant T. Donc, la réaction évolue, tout simplement. Voilà. Et un instant T final, on arrive à X final. Voilà. Là, j'ai X en mol. Ou bien, il faut faire très attention à l'unité. Mol ou bien le millomol ou micromol, tout dépend des réactions. Alors là, il y a une erreur. Faites très attention. Alors, quand vous dites, par exemple, à certains candidats, à l'instant T final, là, c'est à quoi correspond X final. La plupart des étudiants, ils croient ici que c'est, d'après ma réaction chimique, ils disent automatiquement, c'est X max. Je parle de cette réaction-là. Notez très bien, si vous me donnez une réponse de ce genre, le résultat c'est faux. Là, ce n'est pas X max pour cette réaction. Comment ça? À l'instant X final, il s'est formé combien? Gamma X final. Donc là, c'est gamma X max. Faut faire très attention parce que en général en chimie on vous donne des réactions qui sont des réactions avec des coefficients unitaires, c'est-à-dire une alpha est égal à 1, bêta est égal à 1, gamma est égal à 1 et delta est égal à 1. Dans ce cas-là, x max c'est x max, donc ce n'est qu'un cas particulier. Mais si on vous donne d'une manière générale une réaction de ce type, faites très attention pour déterminer. Donc, ici, c'est gamma X max. Alors, voilà en ce qui concerne le suivi de la réaction en fonction de X, en fonction du temps. Alors, par exemple, on peut vous demander... dans ce cas-là, de faire le suivi de la quantité de matière Na de l'un de ces réactifs. Alors, prenons par exemple le A. Alors, pour faire le suivi pour A, donc il faut faire très attention, c'est là où il faut vraiment avoir une certaine vigilance. Donc, à l'instant T est égal à 0, là, je me trouve avec une quantité de matière Na. Et, bien évidemment, la réaction. Voilà. Donc, encore une fois, là, c'est combien j'ai ? C'est Na moins alpha X max. Fais très attention à ces valeurs-là. Parce que ce sont pratiquement les graphes qui font l'objet d'examens. Nous verrons bien évidemment quand on va définir la vitesse volumique de réaction. Donc, comme je vous ai dit, les méthodes chimiques nous permettent de faire des suivis de ce genre. Donc là, la courbe elle est décroissante, donc il faut faire très attention pour l'établissement de certains paramètres. Alors maintenant, je vais vous parler des méthodes physiques. Alors pour les méthodes physiques, en général, donc, les méthodes physiques pour le suivi temporel d'une réaction, méthode physique.
Alors, je peux citer par exemple mesure de la conductance. G, mesure de la conductivité, sigma. Alors, quand il y a, par exemple, parmi les produits, la formation d'un gaz, on peut faire la mesure du volume du gaz, ou bien la mesure de la pression. Et nous verrons bien évidemment dans le chapitre, quand il y a la présence des protons H+, on peut procéder à une mesure de pH. Et c'est vraiment la mesure de pH qui va faire l'objet dans le chapitre des acides et des bases. Alors la mesure de la conductance et la conductivité, on utilise un conductimètre. Donc c'est l'instrument de mesure dont on a parlé. Pour le volume, on peut mesurer par un flacon au départ de la réaction. Par exemple, on a un bécher de volume V occupé par une solution qui a un volume V'. On peut parfaitement dégager le volume du gaz, sachant que le volume total est égal à V' plus V gaz. Donc, on peut facilement déduire de cette égalité que le volume du gaz, c'est tout simplement le volume total moins V'. V' étant le volume de la solution. C'est très important. Donc, ce sont des petites astuces qui font l'objet d'exercices. Donc, pour la mesure de la pression, on peut utiliser un manomètre. Pour le pH, bien sûr, soit un pH mètre. Et ce sont bien sûr, des techniques que nous allons utiliser dans les exercices pour suivre l'évolution d'une réaction, soit comme je vous ai dit, en fonction de la conductance, la conductivité, le volume de gaz, ou bien la pression, ou bien la mesure du pH. Voilà en ce qui concerne vraiment ces méthodes. Je peux déjà donner une idée, par exemple. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est dans les exercices où nous allons vraiment apprendre. Alors, je donne rien qu'un exemple ici. Donc, calcul, par exemple, de la conductivité. Donc, sigma en Siemens mètre moins 1 en fonction du temps. On peut aussi la conductance G en Siemens. Tout dépend bien évidemment. Bien sûr, l'évolution de la conductivité d'une réaction n'a pas toujours une allure croissante. Donc on peut avoir parfaitement des exercices où la conductivité est décroissante. Bien sûr, tout dépend des données de l'expérience, c'est-à-dire on peut avoir voilà. Tout dépend des données, bien sûr, de l'exercice. Alors, après avoir donné une idée sur les méthodes de mesure utilisées, que ce soit les méthodes chimiques ou bien les méthodes physiques, je vais un petit peu parler tout simplement de la vitesse volumique d'une réaction. Alors, la vitesse volumique d'une réaction, la vitesse volumique d'une réaction. Alors, la vitesse volumique d'une réaction, c'est la vitesse avec laquelle va s'effectuer la réaction chimique, ou plutôt
les interactions entre le réactif A et le réactif B. Avant de parler de la vitesse volumique d'une réaction, rappelons un petit peu ce qu'on appelle les facteurs cinétiques. Alors, les facteurs cinétiques, c'est des facteurs qui vont agir pour influencer la vitesse volumique de réaction, soit en l'augmentant ou bien en la diminuant. Alors, les facteurs cinétiques que nous allons particulièrement étudier cette année, c'est la température, c'est la concentration molaire. Parfois, on peut vous parler d'un catalyseur. Et bien évidemment, il y en a d'autres. La nature du solvant, comment dirais-je, la sensibilité d'une réaction avec la lumière. Mais vous allez beaucoup plus parler de la température ou de la concentration. Donc, ce sont des facteurs cinétiques. Alors, en général, on peut donner déjà une idée comment ça se passe, les interactions entre le réactif A et B. Tout simplement, entre A et B, il y a des chocs qui vont être interchangés entre A et B. Donc, il faut que ces chocs soient efficaces pour que la réaction a lieu. Et là, c'est un petit rappel, ou plutôt, c'est ce qui va concerner beaucoup plus les personnes qui vont commencer la chimie en première année de faculté. Donc, vous allez bien évidemment étudier, comment dirais-je, les conditions qui permettent aux réactifs d'interagir, en particulier les chocs, leurs calculs, et quelques notions comme le calcul des enthalpies. Donc, c'est tout un monde de formules chimiques que vous allez découvrir. Alors, donc, rappelez que parmi les facteurs cinétiques en terminale cette année, c'est la température et la concentration. Les catalyseurs, on peut tout simplement les utiliser pour favoriser le déroulement de certaines réactions. Nous verrons cela beaucoup plus en détail quand on va étudier les réactions d'oxydoréduction. Alors, pour la vitesse volumique d'une réaction, vous avez bien évidemment une relation à connaître, je ne dis pas par cœur, mais savoir l'établir au cas de besoin. Donc, V égale 1 sur V total de la solution, dx sur dt. Donc, voilà l'expression de la vitesse volumique d'une réaction. Donc, il est exprimé en mol. Donc, litre. Donc, je vais utiliser donc litre moins 1. Alors, pour le temps, temps moins 1. Tout dépend de l'axe des temps. Est-ce qu'il y a des secondes, des minutes et des heures? Là aussi, parfois, c'est en mètres cubes. Parfois, tout dépend, bien sûr, des données de l'exercice. Alors, quel est le détail intrigant dans cette formule de la vitesse volumique? C'est cette expression-là, le dx sur dt. Le dx sur dt, ici, il est considéré comme le coefficient directeur. Le coefficient directeur que nous allons établir. Alors, cette année, vous n'allez pas calculer cette vitesse par cette expression, mais vous allez tout simplement la déduire graphiquement. Graphiquement, en calculant le coefficient directeur dx sur dt. Alors là, les petits problèmes commencent pour la plupart des étudiants. Surtout quand on fait le suivi d'une réaction, on fait le suivi de la conductance, ou bien la conductivité, ou bien la pression, ou bien le volume. Donc, sachez que l'expression de la vitesse volumique, c'est dx sur dt. Donc, toutes les expressions,
Là, c'est un coefficient directeur. Alors, quand il s'agit de la conductivité, la conductance, le volume ou la pression, là, vous allez trouver l'expression de V en fonction de ces paramètres. Et là, ces paramètres-là vont se présenter sous forme d'une dérivée que vous allez convertir par la suite en dx dt. Donc, je crois qu'il n'y a pas mieux que lorsqu'on va attaquer des exercices d'application, je vais vraiment vous donner plus de détails pour mieux maîtriser l'expression de la vitesse volumique d'une réaction. Alors, je ne dis pas plus. Alors, maintenant, nous allons un petit peu parler de la conductivité, l'étude de la conductivité. Alors, la conductivité. Alors, la conductivité, ou plutôt la conductance, donc c'est la capacité pour une solution de conduire du courant, tout simplement. Alors, pour cette raison, il faut qu'il y ait la présence, pour la conductivité, il faut qu'il y ait la présence de cations dans la solution et d'anions. Donc, les cations, en général, c'est des espèces qui ont perdu un certain nombre d'électrons. Et les anions, ils ont gagné un certain nombre. Alors, pour faire le suivi de la réaction chimique en mesurant la conductivité, vous allez tout simplement utiliser cette fameuse expression, sigma égale somme de lambda I multiplié par la concentration de l'ion XI. Donc, c'est une réaction que vous avez déjà vue l'année dernière, en principe. Alors, c'est quoi? Alors, lambda I, c'est la conductivité molaire ionique. En général, ce sont des valeurs qui sont données. Vous les trouverez sous forme d'un tableau. En général, ils sont proposés avec les données de l'exercice. Et bien sûr, XI, c'est la concentration. Un petit conseil à vous donner dès maintenant, quand vous aurez à calculer la conductivité, notez que la concentration molaire de l'ion correspondant est exprimée en quoi? En mol par mètre cube. À ne pas oublier. Donc là, c'est vraiment très important. Alors, de cette expression, on peut faire le suivi de la réaction par le calcul de la conductivité. Et on peut, par exemple, vous donner un schéma de ce genre. D'ailleurs, le schéma, donc la conductivité, cette année, a fait l'objet des examens du baccalauréat. Mais cela n'empêche pas que ce sont des exercices qui reviennent souvent. Donc, on peut vous proposer une réaction où on a fait le suivi de la réaction de cette manière. Donc, ce qui fait que, voilà. Là, j'ai sigma, Siemens, mètre moins 1. Là, le temps en minutes ou bien en secondes. Donc, alors, ce qui est très important, mes chers élèves, c'est bien sûr d'établir l'expression de sigma. Alors, je vous donne juste un exemple pour la réaction que je vous propose. Ici, j'ai sigma égale lambda B moins concentration de B moins plus lambda concentration de C plus. En général, on va vous demander de vérifier que sigma s'écrit sous la forme AX plus B.
cette expression vraiment à démontrer. Nous verrons ça dans des exercices. Ce que je voulais tout simplement vous dire, alors, pour calculer, je vais revenir à cette expression dans un instant, on peut vous demander par exemple de déterminer la vitesse volumique de la réaction à l'instant, je ne sais pas, là, mettons par exemple 5 minutes. Alors, comme je vous ai dit, la vitesse volumique V, c'est 1 sur V total volume de la solution, dx sur dt. Alors, le problème qui se pose est le suivant. Alors, d'une part, pour déterminer la vitesse volumique d'une réaction, on va le déterminer graphiquement. On va déterminer, bien sûr, la valeur du coefficient directeur. En général, moi je parle du baccalauréat. On va vous donner les tangentes. Donc, dans le programme de terminale, nous, on vous donne les tangentes. Et, par exemple, alors pour 5, je mettrai ici. Là, c'est la tangente à l'instant t égale à 5. Donc là, j'ai T0 et là, j'ai T1. Alors, ce qu'il faut savoir, donc je vais bientôt terminer, on ne va pas dépenser, on va pas dépasser plus une heure et quelques minutes pour que le live ne soit pas trop long. Donc, je vais déjà terminer avec l'établissement de la vitesse. On va continuer par la suite, bien évidemment. Alors, sachez vraiment que pour déterminer la vitesse volumique d'une réaction, donc je vais déterminer le coefficient directeur. Mais notez que le suivi qu'on nous on a fait pour faire le suivi de cette réaction, c'est on a proposé sigma, la conductivité. Alors normalement, pour les personnes qui ne connaissent pas, si, alors je vais un petit peu, comment dirais-je, voilà. Si par exemple, dans le cas classique, j'ai un suivi X en fonction du temps, et je vous donne un graphe de ce genre, c'est-à-dire X de T. Alors là, pour calculer par exemple la vitesse volumique, je donne un exemple ici, par exemple 5. Là, je trace la tangente, la voilà. Alors là, puisque j'ai la variation du x en fonction du temps, pour calculer la vitesse volumique à cet instant-là, je vais établir directement la valeur de dx sur dt qui est égale à delta x sur delta t. C'est quoi ça? C'est-à-dire, vous allez prendre deux valeurs sur la tangente, prenant ces deux valeurs. Donc, là, c'est x2. Là, par exemple, c'est x1. Donc, x2 correspond à une valeur du temps. Bah, je ne sais pas, supposons ici 10. Alors, donc, pour calculer delta x, je crois c'est très simple, qui est égal à combien? X2 moins x1 sur, alors x2 c'est 10 moins 0. Voilà la valeur de dx sur dt. Vous allez bien évidemment remplacer cette valeur dans V tout en remplaçant le volume total de la solution et faire vos calculs très simples. Alors la confusion que je voulais tout simplement susciter ici, c'est dans ce cas-là, là j'ai sigma. Je n'ai pas le droit de prendre directement deux valeurs de cette tangente et de faire les calculs pour calculer la vitesse volumique.
Alors, trouvons la valeur de la vitesse volumique pour ce cas-là. Alors, donc je vais partir bien évidemment de cette égalité-là. Donc, moi je sais que la vitesse volumique c'est quoi? C'est 1 sur le volume total, d de x sur dt. Donc là, il faut que je trouve dx ici. Donc, j'ai d de sigma sur dt égale à quoi? À d de ax plus b sur dt. Bien sûr, b c'est une valeur constante, donc qui est égale à a d de x sur dt. Donc, à quoi est égal d de x sur dt? D de x sur dt est égal à 1 sur a d de sigma sur dt. Donc, voyez la différence. Alors, dans ce cas-là, ici, la vitesse volumique, c'est quoi? C'est 1 sur volume total. D de x sur dt, c'est quoi? C'est 1 sur A. D de sigma sur dt. Donc, pour calculer la vitesse volumique, je vais calculer donc D de sigma en prenant bien évidemment deux valeurs, là et là, par exemple, pour t. Donc, j'appelle celle-là x2, x1, donc le temps correspondant. Donc d de sigma dt, c'est x2 moins x1 sur 10 moins 0, et je calcule ce coefficient, et je remplace, et je vais le multiplier par 1 sur v total, multiplié par 1 sur a. Donc, ce sont les petites difficultés que l'élève doit maîtriser, surtout lors du calcul de la vitesse volumique, quand il s'agit de certains paramètres comme la conductance, ou plutôt la conductivité, la conductance, le volume ou bien la pression. C'est très important. Donc, ce sont les exercices que nous allons pratiquer, Inch'Allah, par la suite. Alors voilà, mes chers élèves, donc je vous ai dit, Inch'Allah, pour terminer yani, la grande introduction la chimie, je vais dans la prochaine, Inch'Allah, en chimie, nous allons parler des réactions d'oxydoréduction, les définir, comment établir les demi-équations électroniques des réactions d'oxydoréduction et surtout donner des exemples quand la réaction d'oxydoréduction a lieu dans un milieu acide, comment on va effectuer les différentes étapes pour établir une telle réaction et de la même manière on donnera un exemple pour des réactions d'oxydoréduction qui ont lieu dans un milieu basique. Alors une fois on terminera cette partie, je vais commencer directement par des lives à vous proposer des grands exercices d'application pour améliorer vos compétences. Donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné, surtout des personnes, j'étais vraiment très ravi de revoir leurs écritures, leurs commentaires. Demain, Inch'Allah, à la même heure, à 21h30, je vais essayer de donner un aperçu sur le premier grand chapitre de la physique, l'étude des ondes. Surtout, les cours sont bien expliqués dans la chaîne, mais je vais seulement donner quelques astuces, surtout pour les personnes qui viennent déjà d'être des hôtes pour cette année, pour le terminal. Surtout comment traiter ce chapitre de la physique. Voilà, donc je vous souhaite pour mes chers élèves une bonne continuation, Inch'Allah. Encore une fois, donc les personnes qui vont faire de la biologie cellulaire, comme je vous ai dit, Inch'Allah, je vais participer par
vous proposer des capsules en biologie. Et tout dépend bien sûr du temps. Si vraiment j'ai le temps, vous allez être épatés. Il y aura beaucoup de choses à partager. Les personnes en terminale, donc il y a une offre pour les préparatifs des examens. Toutes les personnes qui sont intéressées, tout le long du mois de septembre, nous allons faire des cours de révision gratuitement pour tout le monde, pour ceux qui sont intéressés. Bien sûr, vous contactez ce numéro, le 06 19 04 48 45, prof Fardari. Donc, il suffit seulement d'envoyer votre numéro WhatsApp pour se joindre au groupe que nous allons commencer, Inch'Allah, vers la fin du mois de septembre, précisément. Mais tout le long du mois de septembre, c'est un mois d'essai. Ça vous donnera une idée si vous voulez être parmi nous, parmi ceux qui visent le meilleur. Donc, j'attends juste vos numéros. Le prix, c'est un prix qui est vraiment très symbolique pour toute l'année, dans les trois matières que je vous propose, les SVT, les maths et la physique et la chimie pour les BIOF. Il y a la même offre, donc NEPS, l'offre pour les baccalauréats, bac arabe aussi. Donc, il suffit bien sûr d'envoyer le numéro, votre numéro WhatsApp, pour se joindre à nous et à partir, Inch'Allah, tout le long du mois de septembre, donc à partir toujours de 21h30, il y aura une rencontre où je vais vous proposer une partie du programme. Donc, encore une fois, je vous remercie. Portez-vous bien. Bonne soirée et à bientôt.